Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Sim Airport. Aujourd'hui, on va voir pour comment on va réussir à faire en sorte d'agrandir le hall d'entrée pour que il y ait enfin assez de monde dans la partie achat de billetterie, parce que pour l'instant, c'est vraiment le gros défaut de mon aéroport. Allez, on se retrouve juste après l'intro pour voir tout ça ensemble. Hey les amis, je profite juste de l'intro pour vous rappeler trois petites choses. C'est que vous pouvez mettre un pouce vert, ou un pouce bleu, ou un pouce de n'importe quelle couleur si vous avez aimé la vidéo et pour l'aider à être reconnu. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, tout simplement pour ne louper aucune de mes nouvelles vidéos. Et bien sûr, vous pouvez lâcher un petit commentaire en bas de la vidéo pour répondre aux différents points que j'ai pu vous proposer dans cette vidéo. Et bien sûr, vous exprimez tout simplement. Allez, sur ce, on continue la suite de les vidéos. Allez les amis, c'est parti. Tac. Alors, on va agrandir. Alors, la dernière fois, j'ai compris un peu tard pourquoi je ne pouvais pas détruire ce construire ce que je voulais. C'était tout simplement que j'ai oublié de faire ça. Ah non, il vient de là. Bon. C'est tout. Ça sera modifié autrement. Je voudrais bien qu'il fasse le mieux. Voilà, merci. On nécessite au moins un hangar fonctionnel avec fourgon à bagages. Alors, tac. Sol numéro 1. Hop, on va modifier un peu ça. Alors, les zones. Oui, je pense que vous avez compris, mon petit micmac. Comment je vais faire tout ça? Alors, ah non. Alors. Comment ça s'appelle? Guichet électronique. Je pense que là, hein. Ça fait bizarre en bois. Ouais, mais c'est carré.
Si je la mets là. Vu qu'on a ces friches, j'ai modifié un peu le tunnel. Pourquoi je modifie le tunnel comme ça? Parce que je vais modifier le la partie descente des WC, je vais l'élargir. Et je vais changer l'escalier, parce que j'aime pas l'escalier comme il est. Je vais mettre au milieu de la billetterie l'escalier. Je me rappelle comme tout ça est arrivé dans la souffrance. Ok. Alors. Ah, il y a rien fait que je décale un peu plus. Bon, après, c'est ridicule un peu plus. Alors, S, Calier Dune. Bah voilà. Au pire, après, on fait pareil. On fait un petit mur de 3. Ah non, ça fait. Non, là, il faut que j'aille. Antoine. Stockage. Alors, stockage. Alors, étage.
secteur can be. Pourquoi? Nécessite une zone de stockage. Ah oui, qu'est-ce que bordel? Secteur can be vacated. Pourquoi? I don't understand. D'accord, bon, c'était un bug. C'était un bug. Mais je comprenais pas pourquoi ça. Toute façon, il y a peu de gens qui disent CVC là. Ok, donc là, ça a l'air d'aller. Arrivée, départ, environnement. Donc là, c'est vraiment l'environnement. Faut que j'améliore. Avant tout, c'est l'environnement. Je pense que c'est surtout là-dedans qu'il manque des trucs. On avait non stock, on va la remettre. Environnement 55. Là, c'est vrai qu'il n'y a pas de poubelle.
Ici, on regarde là. Pas trop de poubelles. Il y a une poubelle là, il y a une poubelle là. L'attaque. Environ 3,5 fin. Frustration, ça c'est leur besoin. Donc elle a pas besoin de poubelle. Terre, environnement, frustration. Ouais, je réfléchis, mais c'est dur. C'est dur parce que j'ai l'impression de vraiment de tout le temps agrandir. J'ai vraiment l'impression de faire que ça, d'agrandir. Bon, on va améliorer tout ça. Alors, donc, si vous avez des petits conseils à me donner pour améliorer l'environnement, dites-le moi, hein, parce que. Plus de caissiers? Une porte en plus, deux portes. Je m'étais pas rendu compte, mais...
Là, j'ai plus de vendeurs. Donc là, la reste correct. Oula. Cuisine n'a aucun inventaire disponible. Ah oui, c'est la crise. Un sol lumineux pour la... Allez les gars, c'est parti. On change le sol parce que ça me plaît pas. Le café, c'est vraiment mon plus gros défaut.
tant mieux, il reste encore plein. Ah, il y a plus de poubelles, il y a plus de verdure. Cent quinze pour cent, 51, 54. Ah, c'est augmenté l'environnement. Bref, il va falloir que je... Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a jour nous? Il y en a un là. On va mettre un là. Hop. Mon truc de nourriture. On peut en mettre un peu partout. Ça c'est vrai. Un truc que je mets pas assez à mon avis. On va mettre un là. Ça. Distributeur de billets. Tac. Distributeur automatique. On va mettre un là. Là.
Machine à boisson. On va mettre à côté l'autre. Machine là. On met une là. Comptoir à vêtements. On va le mettre en bas, ça. Le système de sonation publique permet d'effectuer des annonces. Je suis en train de réfléchir à ce qu'on pourrait remettre. Mais je ne vois pas trop. Je ne vois pas trop. De toute façon, les amis, l'épisode a déjà pas mal duré. Je pense qu'on a déjà réglé deux petits soucis dans cet épisode. Donc le premier, c'était par rapport à la billetterie, que je trouve maintenant est relativement correct. Hein. Il y a de moins en moins d'attentes, surtout dans la partie automatisée des billets. Les gens peuvent facilement y accéder. J'ai déplacé l'escalier pour aller dans la partie du sous-sol, qui est aussi, ça, à mon avis, une très bonne chose. Et la partie cafétéria qui était aussi grandement améliorée. Il faudra juste que je surveille par la suite si eh ben, il y a toujours assez d'éléments pour tout le monde. Parce que je pense que eh ben, assez régulièrement, ça tombe encore en panne. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, vraiment, j'ai passé un très bon moment avec vous. Et donc, bah, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et bien sûr, juste avant de se quitter, je voulais vous remercier d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Vous inviter à vous abonner si ce n'est déjà pas fait pour louper aucune de mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à me donner des petits commentaires, soit dans la vidéo ou venir papoter avec moi sur Discord, pour m'aider à m'améliorer par rapport à mon aéroport, et aussi si vous voulez me fournir des idées. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!